Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle série sur Game Dev Tycoon en plein milieu de l'E3. Alors les jeux vidéo sont annoncés, bon c'est pas vraiment un très bon E3, donc voilà, on a eu des conférences nulles, dont Ubisoft, on ne critique pas, c'est nul à chier. Donc voilà, même Bethesda a fait mieux, quoi. Enfin, d'où Bethesda fait mieux que Ubisoft? On en parle? Non. Bon, actuellement, bon, là, il est. C'est juste après Ubisoft, donc il est minuit là actuellement. Alors, je tourne cette vidéo parce que j'attends 3h du matin. Parce que je dois bien regarder Electronic Arts. Regardez la conférence de EA. Non, c'est Square Enix. Donc, c'est Square Enix. Donc, il y a des jeux intéressants qui vont sortir sur Square Enix. Donc, on va verra bien. Alors c'est parti pour Game Dev Tycoon. Alors là, dans ce jeu, on va devoir créer des jeux vidéo, d'où le 3. Alors c'est un jeu payant sur mobile et il coûte à peu près 5 euros, enfin un peu plus de 5 euros. Vous pouvez le craquer aussi, moi je l'ai payé parce que franchement, bah, c'est un très bon jeu. Je joue souvent et parfois je supprime même très souvent. Alors j'ai pas envie de réinstaller toujours l'application de crack, etc. C'est chiant, donc je l'ai acheté et bah, voilà, il est toujours avec moi. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, il n'y a pas plus de nouveautés s'il est craqué ou pas. Hein. C'est juste que voilà. Donc là j'ai lancé une partie déjà. Ouais, j'ai lancé une partie. Donc on va lancer une nouvelle partie. C'est parti. On est parti, bienvenue dans Game Dev Tycoon. Dans cette simulation d'entreprise, vous pouvez être transporté dans le temps. Au début de la révolution du PC pour développer votre propre entreprise. Alors normalement de jeux vidéo. Dans les 35 prochaines années, vous pouvez construire l'entreprise de vos rêves, générer d'incroyables ventes de jeux, gagner des fans et retenir et devenir le leader du marché. Avant de commencer votre aventure, vous devez donner un nom à votre entreprise. Alors d'abord nommer le joueur, on va le nommer ben, Matt, hein. Moi, je m'appelle Mathieu, donc on va le nommer Matt, hein, d'habitude. Alors on va mettre la tête que je prends toujours, c'est-à-dire celui-ci. Et l'entreprise, ben bof. J'ai une chaîne qui sonne bien, donc on va mettre Pumat Gaming, hein, avec un G majuscule. Gaming, donc PG. Ça sonne vraiment bien. Alors dans les trucs, on va mettre le pirate, on va le décommander. On peut mettre plus, on peut mettre 42 ans. En mettant 42 ans, ce sera un peu plus long, c'est mieux. On peut bien sûr mettre des femmes si on veut, mais moi je veux être un homme. Donc voilà, c'est parti. On continue, on commence. Et on va commencer donc à la base du jeu vidéo, hein. Vraiment, vraiment à la base du jeu vidéo. Donc on va commencer dans notre garage. Et on va commencer sur... un vieux PC tout dégueulasse et vous allez voir sur quoi on va taffer hein. Donc faut vraiment voir si on a des bons thèmes. On a des bons thèmes parce que si on commence avec des mauvais thèmes c'est la merde, mais là, on commence avec des bons thèmes et on va commencer par un jeu de colonie et on va faire aventure et on a des plateformes de merde. Voilà, donc on va faire sur PC parce que l'autre on va la perdre rapidement et c'est nul à chier. Et un jeu de colonies, on va mettre anneau bien sûr. Et c'est parti, on est parti pour la colonie. Pour anneau, on va le faire en graphisme 2D V1 et on va devoir tout le temps améliorer et on va pouvoir bien sûr créer nos jeux vidéo proprement. Donc comment je dis améliorer, on va devoir améliorer nos graphismes avec de la 3D et tout en débloquant des recherches. Alors en haut à côté de anneau, donc on a colonisation, aventure. Ça, c'est le thème du jeu. Alors, à droite, nous avons le petit cercle bleu clair. Ça, ce sont la recherche électro, enfin, ce sont l'électronique, on va dire ça. Et en mauve, ce sont la recherche. C'est ce qui va pouvoir nous chercher des nouveaux modes de jeu, des nouveaux trucs. Voilà.
À gauche, en jaune, nous avons tout ce qui est graphisme. Et en orange, les bugs. On va commencer par histoire et quête. On va faire des quêtes quand même. Le moteur, on va monter un petit peu. Et le gameplay, on va le monter un tout petit peu. En vrai, j'ai rien fait du tout, ça change rien. Donc voilà, et là, on va pouvoir créer. Donc on a des bugs, on a des points de recherche, etc. Alors, des dialogues, non. On va monter un tout petit peu. Intelligence artificielle, on va monter. Et design du monde, on va le monter un petit peu. Donc voilà. Pour le moment, rien de compliqué. Il faut juste faire un bon jeu pour pouvoir sortir de ce garage et pas tomber rapidement en faillite. C'est toujours difficile. Alors, son basique, oui. Le son peut diminuer. On monte un peu les graphismes. Voilà. Et là, on doit attendre un petit peu. On va attendre, attendre, attendre. Voilà, donc là, on va attendre que les bugs se corrigent. Et on va faire un... bon, il peut faire encore quelques petits trucs en plus. Parfois des bugs. Et là, on va valider. Donc, en gros, là, le jeu est terminé. Hein. Voilà. On a notre XP. Même personnel. Hop. On peut détruire le jeu s'il ne nous satisfait pas, hein, bien sûr. Et après, nous avons les critiques des grandes startups. Voilà. On a un jeu nul à chier. Donc Stargame aime pas trop. Même chose pour Informate Game. Gamero plutôt satisfait. Et un game aussi. Donc ça fait un jeu de 4 sur 10. Pour un premier jeu, c'est pas terrible. On met ça là-bas. Donc voilà, donc à 2000 exemplaires. Bon, ça me saoule parce que je vois pas trop mon argent, mais ça va, je suis dans le positif, donc ça va. On va directement créer directement un deuxième jeu, on va pas tarder. On va faire sur histoire et on va faire de la stratégie, oui. Et on va faire le jeu Rome. Voilà. Donc c'est de l'histoire. Sur le PC. Et c'est parti en 2D. Et c'est parti. On commence par deux bugs, ça me fait pas plaisir. Alors le moteur, on va le monter, le gameplay, et on va monter histoire et quête. Un maximum, on a 300 000, oui, ça va. Ok, voilà. On n'a pas beaucoup d'argent, on va pas beaucoup le anneau. Le anneau se vend pas cher, donc c'est des jeux qui se vendent pas cher pour le moment, hein, mais bon. Le dialogue, on va le laisser. Intelligence artificielle, oui, c'est justement de la stratégie, donc pour l'intelligence. Donc voilà, on va toujours moduler ça, bien sûr, après, plusieurs. On va faire des petites recherches après, on va voir. Pour avoir le son, on peut diminuer. Le design du monde, le graphisme, on peut diminuer. Ok. Donc là on a 26, on a 30 de recherche. Ok, il va corriger tous les bugs. Il tape sur son petit clavier tranquillement. Voilà. Ok, 11-11, c'est déjà mieux. C'est de nouveaux records. On aime bien. Ok, alors on va faire une petite recherche. Pour créer un moteur de jeu, il faut. Ouais, il faut que. Alors, qu'est-ce qu'on peut rechercher? Ouais, donc c'est pas terrible déjà. On peut pas chercher des trucs sympathiques. On a course avant. On va attendre un petit peu. On va faire un nouveau jeu. Développer un nouveau jeu. On va développer un jeu de course. Et nous allons faire un jeu de course. On va faire quoi comme jeu de course? Bon, allez. On va se le faire hein, assez tôt. Oula. Mario Kart. Voilà. C'est avec un C, on est d'accord. Avec un K. Bon, au pire, même s'il y a une faute, c'est pas très grave. On s'en fout, même si je peux écrire Mario Kart. En vrai, non, on va pas marquer Mario. On va marquer Speed. Avec un E. Ah non, on va faire comme ça.
Non. Speed. Speeder. Speeder. On l'appelait Speeder, voilà, ok. Ok, donc c'est un action course plateforme. Non, pas la G, pas la G64, on s'en fout, action. Ok. On va essayer de générer. On va essayer de générer pour pouvoir. Les critiques de Rome. Ah, Rome est déjà beaucoup plus satisfaisant. Elle va rapporter un peu plus d'argent. Les deux premiers sont déjà contents. Celui-là aussi. Enfin, ils sont pas non plus, ils ont pas la hype, hein. Ça fait un 5, parce que l'autre a mis un 4. Mais il va s'en rendre un peu plus. Et c'est mieux. Alors, l'histoire, on s'en fout, on montre le gameplay, hein. C'est un jeu de course, donc on veut des bons trucs. Alors, Rome après un succès. Ok, ça va. On a 33 000, ok. Dialogue, on s'en fout. Intelligence, on peut diminuer un petit peu. Design du monde, des niveaux. On peut monter. Ok, on a 40, on doit bien avoir 50. Le son, on va mettre un bon petit son quand même. Hein. Comme ça. Voilà. On s'en fout là, la G64 elle va disparaître là. Ok, allez, tu fais des recherches, encore des recherches. On a 11, ah, on va passer à 12, c'est mieux. Ok, on passe à 13 et puis on valide. On va pas perdre trop de temps non plus. Speeders. Ouais. Ok, les critiques. Pas trop attente. Ah, c'est déjà mieux. 8-7. Ok, donc lui 6. Et 7. Ça fait une moyenne de 7. C'est pas mal. C'est déjà un meilleur jeu. Il va se rendre déjà un peu mieux. Alors, on va faire une petite recherche. On va se faire un Apocalypse. Pourquoi pas? Travailler ce contrat, ça c'est bien, c'est pour faire de l'argent. Hein. On peut travailler, on peut pas voir, mais on peut voir parce qu'on est en train de faire une recherche. Mais maintenant, on va aller finir la recherche. Ok, la Naivendo. Ou bien sûr, ils mettent pas Nintendo, ils disent Naivendo pour pas faire de truc. Donc historique des jeux, travailler ce contrat, c'est ça en fait. On a des semaines pour réaliser ça pour de l'argent. Juste ça. Alors, on va développer un nouveau jeu. On va faire Apocalypse. Apocalypse. Et bien sûr, juste pour le kiff, on met No. Hop. Et on se fait un jeu RPG. Allez, un petit RPG sur le PC. Et il va falloir que je fasse bientôt un nouveau moteur. C'est ce que je ferai après parce que dès qu'on arrive à 50, je vais faire un nouveau moteur. On va mettre des quêtes, bien sûr. On va diminuer un tout petit peu. Plus les quêtes. Et dès que je suis à 50, on va créer un moteur. Donc un moteur, en fait, on va pouvoir mettre plusieurs trucs dedans. Et on va pouvoir commencer à améliorer les graphismes et pouvoir améliorer le jeu avec des trucs en plus. Alors le son on peut le monter un petit peu, on a un peu les graphismes, design du monde, on peut les monter. Ok, ça c'est bon. Donc là dès qu'on le fera hein, directement. Ok. Ok. C'est bon, on peut valider. On peut valider. C'est peut-être pas le jeu du siècle. Mais rapporter un peu d'argent et on nous doit directement créer un moteur recherche donc on voit moteur voilà la recherche ah nous avons la Nintendo donc on a la NES qui va sortir donc c'est bien sûr la thèse parce qu'on peut pas mettre de vrai nom alors les critiques sûrement un bon jeu quand même un petit 5 c'est déjà bon pour commencer 5 ça va tant que ça va pas dans le négatif. À la fin, ça va. Ça fait un total de 5. C'est bien. Il va se vendre. Hein.
Là, on doit attendre un tout petit peu pour pouvoir faire notre moteur et on va pouvoir faire des meilleurs jeux avec le moteur. Voilà. Alors, créer un moteur et on va mettre les sauvegardes et on va mettre la 2D V2 et on va l'appeler. Comment on peut appeler le moteur? On va l'appeler Mat 1. On va appeler Mat V1. Voilà. C'est le moteur V1. C'est le Vroom 1. Ok, créer. Alors, il va me coûter de l'argent. Il m'a coûté 90 000. Donc, 90 000. Ouais, c'est beaucoup hein, quand même. Mais bon. Après, j'aurai des moteurs qui vont coûter 1 million, quoi. Mais voilà. Alors, il me fait un petit peu de recherche. Donc, ça fait un peu du bien. On va pouvoir peut-être faire une nouvelle recherche pour créer un tout nouveau, une toute nouvelle licence. On va bientôt, peut-être bientôt, refaire une licence qui a marché. Ah, nickel, déjà, c'est pour créer. Enfin, pour faire une recherche. Et maintenant, on peut rechercher des nouveaux trucs. Donc, par exemple, le didacticiel et le son mano, parce que on a de quoi faire un moteur. Ah, un développeur de jeux vidéo, bah, pourquoi pas. Je suis pas fan. Mais on a que 4 à chaque fois. Hein. Donc, on peut pas. On va faire l'avion. On va développer l'avion. On est fauché. Il va falloir qu'on crée un jeu. Là, j'ai pas fait bien là. Ok, on va développer un tout nouveau jeu. Développer, on va développer Plan. Voilà. Et on va développer sur les avions. Et les avions, on va mettre l'action. Et on va mettre sur PC, moteur, Mat V1. Et on est parti pour de la 3D V2. Pour la révolution, on n'a plus beaucoup d'argent, il va falloir que. On n'a plus que 36 000. L'historique, on s'en fout, le moteur, le gameplay, les sauvegardes, et bon, ça fait 15 minutes dans le vent en plus. Il va falloir que tu me rapportes de l'argent, toi, parce que sinon, on va faire faillite. Et c'est pas bon. Intelligence virtuelle, on s'en fout. On monte le dialogue. Le dialogue, on diminue. Et on monte le design du monde. Et là, on va essayer tranquillement de rapporter de la thune parce que là, c'est pas bon. Et aujourd'hui, nous avons la Nintendo Test qui sort. Ok. Le son, on peut diminuer. Le graphisme, le design du monde, on peut monter. Ok, donc jusque-là, ça va. On tient. On a 10 000. Et le jeu va sortir. Dans tous les cas, il va rapporter de l'argent. Et vous avez vu, maintenant, il rapporte. Il est un peu plus, hein. On est déjà à 15, 16, donc il rapporte un peu plus. C'était 13 le record, je pense. 13 ou 12. Donc voilà, on est reparti. Et là, j'espère qu'il va se vendre. Parce que là, je suis un peu dans la merde. J'ai plus que 2 000. Ok. Alors. Et c'est un bon jeu, ça va. C'est un bon jeu, il a un 8, c'est bien. 8, c'est bien. Et il a un 8, c'est bien, donc ça fait 7,75, 7,75, c'est vraiment génial. Donc je suis dans le négatif, mais je vais vite remonter dans le positif. Parce que voilà. Si on descend trop bas dans le négatif, on a la banque qui nous fait un prêt, mais bon, on doit le rembourser. Et on peut pas descendre en dessous de beaucoup, quoi. Alors, une petite recherche peut-être pour un thème. Nous avons Alien. Ouais, pourquoi pas, allez, Alien. Mais je vais pas faire sur les aliens, je vais reprendre un ancien jeu historique des jeux. Je vais peut-être prendre. Je vais peut-être faire Spider 2. Je vais faire un Spider 2. Ainsi, on va voir. Alors, nous avons 100 000 de bénéfices, ça c'est bien. Enfin, nous avons 100 000 de bénéfices parce que j'avais j'étais à zéro. C'est parti, développer un nouveau jeu. On va mettre Spider. Spider 2. C'est notre premier jeu qu'on va faire une V2. Donc en fait, c'est vraiment mettre le même nom et mettre le même truc qu'on a mis. On a mis Action, c'est un jeu de course. Et nous allons. Pourquoi pas? Voilà, on va développer sur la nouvelle console. Pourquoi pas avec la 2D. Ah, je me suis mis dans la merde. Je me suis mis un peu dans la merde en faisant ça. C'est un peu
peu la merde. L'histoire s'en fout, le gameplay, le moteur. Ouais, je me suis mis un peu dans la merde parce que ben bon, je pensais que j'allais gagner plus. Ah, j'ai sûrement eu mon prêt en même temps. Dialogue, on peut monter un tout petit peu, monter intelligence. Intelligence, c'est une course, donc il va de monter. J'espère qu'il va se vendre vite, hein. Il va falloir que je fasse très vite des bénéfices avec lui. Plus qu'avec mon hôte. Du son, oui, du. Voilà, on peut faire ça, c'est bon. Ok. Allez, mon poteau, faut que tu te mettes en route là. Il va falloir que tu me fasses de la thune. On a moins 25 000. Allez, tu fais tous les bugs et puis on va te vendre. Rapidos. Voilà, on te vend 15, c'est pas grave. Là, tu fais un record de l'autre côté, c'est bien. Ok, c'est parti. Il va falloir que tu ailles des bonnes critiques. Parce que sinon, je suis dans la merde. En sachant que c'est une deuxième licence qui avait déjà marché. 5, ouais. Ouais, 5. Déjà vu mieux, bah ouais, tu m'étonnes. Marrant par endroit. Ah, tu fais 4, c'est pas bien ça. Ok, bon, bah il va falloir un jeu de l'espoir. Bon, après, c'est pas ça, il monte, hein. Il se vend bien, mais voilà. C'est juste que ben maintenant j'ai des trucs quoi. On va faire une recherche, peut-être avec un nouveau truc. Pirate, ça c'est bien ça. Pirate. Et ben voilà, on va faire une petite ellipse. Donc voilà, on se retrouve ben, pour la fois prochaine pour essayer de survivre dans notre petite start-up de jeux vidéo. Et on se retrouve à la prochaine. Ben portez-vous bien.